Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais essayer tout d'abord d'être brève pour ne pas fatiguer les interprètes. Salut. Et évidemment, nous sommes déjà un peu fatigués ce soir. C'est pourquoi je tâcherai de résumer un peu ce que j'avais l'intention de dire. Alors, je change un peu d'optique. Je dirige depuis une vingtaine d'années ce qu'on appelle le séminaire de maîtrise, qui fait partie de la formation des traducteurs dans le cadre de Master in Translation. Et ce séminaire de maîtrise aboutit à un travail écrit qui est l'objet de l'examen final à l'université. Et pour obtenir un diplôme, le diplôme, il faut présenter ce travail qui se prépare pendant 2 ans. Et alors, pour parler justement de ce séminaire, il faut se rendre compte du fait que les étudiants sont obligés de choisir un corpus pour pouvoir rédiger, préparer leur maîtrise, pour faire leur recherche. Dans la majorité des cas, ils choisissent des corpus. C'est pourquoi je veux parler un peu de statistiques de ce corpus. Mais avant de passer à des corpus, c'est-à-dire à des présentations de mes statistiques, j'aimerais bien rappeler quelques éléments importants, parce que dans le cadre de ce colloque, nous utilisons ce mot corpus, sans peut-être rappeler vraiment le fondement de ce terme. Alors, la notion de corpus, tout d'abord, est définie dans la traduction comme un regroupement de textes fondateurs, en particulier dans la religion ou dans le droit. Ça, c'était la première conception du corpus. Par opposition à cette notion canonique, on trouve de regroupement d'écrits ou de transcription de l'oral. Et ça, ce sont des corpus oraux. Et finalement, depuis une dizaine, quinzaine d'années, on trouve cette notion que nous utilisons probablement tous ici, et c'est-à-dire la linguistique des corpus, des grands corpus, corpus électroniques, etc., etc. Il faut y ajouter une opinion d'une linguiste polonaise, par exemple, qui dit que pour un linguiste, la réalité qu'il observe est constituée par les données provenant des corpus, c'est-à-dire des réalisations linguistiques pratiques au niveau de la parole. Il ne faut pas oublier qu'avant des linguistes, mais aussi traductologues, ont utilisé souvent des corpus préfabriqués. Là, nous parlons de corpus naturels, enregistrés, publiés, trouver quelque part dans la communication médiale. Mais, comme nous pensons à toute cette panoplie de corpus, on trouve des constatations suivantes, et ça c'est sûr, il ne peut y avoir des théories générales de corpus, réunir dans un ensemble des éléments langagiers apparentés dépend des items et du type de texte, de la méthode et de moyens d'analyse. Et ça, c'est très important. Méthode, moyens d'analyse et le projet de recherche. Pour constituer un corpus, il faut savoir quel est le projet de recherche, quels sont les moyens d'analyse dont on dispose et quels sont et quelle sera la méthode, n'est-ce pas? Il y a encore peut-être une opinion intéressante qui dit que Corinne Weckestein de la France, d'Arras, qui signale l'existence d'un fossé entre la façon dont linguistes et traductologues conçoivent et utilisent un corpus. Donc ce n'est pas absolument la même chose, le corpus utilisé dans le cadre de la linguistique et dans le cadre de la traduction, mais ça n'exclut pas une discussion entre ces deux groupes de chercheurs. Il y a encore un rappel. Nous pensons que le corpus est quelque chose que nous avons inventé il y a 10 ans ou 15 ans. Alors Claude Bocquet remarque qu'en lisant la littérature ancienne sur la traduction, celle qui a précédé la littérature traductologique au sens strict,
on s'aperçoit qu'elle est largement fondée sur l'analyse de ce qu'on comprend aujourd'hui par le corpus. Et il cite à ce propos Étienne Dolé et Gaspard de Tende et d'autres praticiens anciens de la traduction qui ont aussi utilisé des corpus. Et alors, aujourd'hui, on peut malgré tout remarquer que l'accessibilité de données linguistiques, surtout en ce qui concerne les langues pour lesquelles on a élaboré des grands corpus, sont nettement, évidemment, plus grandes qu'avant, et la recherche sur les corpus se développe de plus en plus, ça c'est clair. Grâce à elle, on enrichit les savoirs à la base de preuves enregistrées, données, naturelles, et non pas préfabriquées. Et pour encore une petite remarque, que la notion de corpus ne s'applique pas uniquement à la traductologie, uniquement à la linguistique, mais à vrai dire à tout ce qu'on appelle science du langage ou même science humaine et sociale. Donc c'est une notion qui est utilisable dans plusieurs champs. Bon, moi j'aimerais bien seulement vous dire deux choses à propos du séminaire de maîtrise que je vais présenter tout à l'heure. En ce qui concerne justement la Pologne, mais ses observations concernent aussi d'autres pays du bloc de l'Est, que les études de traductologie et les formations de traducteurs ont été avant la grande révolution qui a introduit les changements du système dans cette partie de l'Europe, les formations de traducteurs ne se faisaient que dans le cadre de ce qu'on appelait les philologies. Donc la formation aussi bien en littérature, en linguistique, en traduction, en didactique des langues, est tout regroupé dans la même formation. Il n'empêche que dans ces formations, les séminaires de maîtrise existaient déjà. C'est pourquoi je vais réfléchir un peu comment, à la base de quel corpus, on préparait les travaux, les recherches de maîtrise. Alors, je veux seulement dire à ceux qui ne savent pas dans ce bloc de l'Europe, avant 1990, le métier de traducteur était clandestin, à vrai dire. Ça n'existe pas dans la liste de métiers offerts dans la proposition du gouvernement. Même plus, on regardait pas mal de traducteurs-interprètes comme des espions. Donc, il y avait un côté politique de la chose très important. Et c'est pourquoi, dans les années qui précédaient 90, une seule formation de traducteur faite à l'Université de Varsovie portait le nom de linguistique appliquée et non pas des études de traducteur. Il n'empêche qu'on a formé de bons traducteurs. Donc, ça, c'est le paradoxe de toute la situation. Et je veux dire qu'à l'époque, se procurer un corpus, c'était un peu difficile, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'étranger, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'autres sources d'informations. Le seul journal, par exemple, français auquel on avait accès, c'était l'Humanité, l'organe officiel du Parti communiste. À l'époque, je dirais qu'on s'appuyait le plus sur le corpus littéraire, parce que c'était le seul accessible pour les étudiants de l'époque. Devant ces différentes difficultés concernant la constitution de corpus, on peut citer l'opinion de Baako qui dit « On est donc conduit à discuter les méthodologies de constitution des corpus en termes de représentativité quantitative et qualitative par rapport au phénomène à décrire et analyser. » C'est-à-dire, il faut toujours réfléchir, est-ce que le corpus dont on dispose, je parle de différentes recherches, mais notamment je me concentre aujourd'hui sur des recherches réalisées par des étudiants, et jusqu'à quel point leurs corpus sont représentatifs qualitativement et quantitativement au projet de la recherche, à la réalisation de la recherche. Alors,
deux observations, deux mes premières observations concernant les attitudes des étudiants quand je leur donne la possibilité de choisir eux-mêmes le corpus et les sujets qui les intéressent. Alors, soit ils ont une idée de réflexion et essaient de choisir les corpus en fonction du but de la recherche, mais aussi souvent et peut-être plus souvent, ce sont les corpus auxquels ils ont l'accès qui dictent les buts de leur investigation. Alors, ce sont deux, vous voyez, attitudes différentes. Et maintenant, je reviens donc au sujet du séminaire de la maîtrise que j'avais au début. Alors, je veux dire que maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a une discussion énorme à travers toute Europe et pas seulement, concernant justement l'unification de la formation de traducteurs-interprètes. Et je cite seulement deux activités européennes. C'était la création de ce réseau European Master in Translation qui a regroupé 56 programmes européens de la formation de traducteurs. D'ailleurs, l'université de Soria a reçu le label aussi de qualité, comme le mien. Donc, on se rencontre dans ces discussions. Et on a créé aussi une plateforme optimale en Europe sur laquelle sont disponibles les différents programmes opératoires en Europe dans la formation de traducteurs. 5 minutes, j'arrive. Je veux dire qu'en général, dans tous ces programmes, il y a 3 blocs de matières qui sont enseignés dans le cours de, c'est-à-dire dans la formation de master. Alors, formation linguistico-traductologique, formation professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la profession de traducteur, et la formation académique. Et justement, dans ce cadre de formation académique, entre le séminaire de maîtrise. Je développe un peu ce sujet parce que je sais que ce n'est pas le cas de tous les pays européens, c'est-à-dire, par exemple, en Espagne, je pense dans plusieurs universités, parce que j'ai regardé dernièrement pas mal de programmes de formation des traducteurs, ou là, en Grande-Bretagne, on prépare pas une maîtrise, c'est-à-dire une recherche. On prépare un mémoire, mais beaucoup plus important que dans d'autres pays. Mais dans beaucoup, il y en a. Alors, je veux maintenant vous présenter les statistiques concernant à peu près 150 travaux de maîtrise que j'ai dirigés moi-même pendant 15 dernières années. Et je veux dire par là que ces statistiques sont relativement représentatives car je n'impose jamais le sujet à des étudiants, je ne leur impose jamais un corpus et tout simplement nous discutons la possibilité de réaliser une recherche qu'ils ont en tête. Et alors, je veux vous montrer alors quels sont les choix délibérés des étudiants, dans quelle direction vont les recherches de leur corpus. Alors, sur ces 150 corpus, 68 concernaient durant ces 15 années les textes littéraires, donc 45%, et 55% les textes, un large paquet de textes non littéraires. Maintenant, donc là vous voyez la répartition, la première grande répartition. Maintenant, en ce qui concerne les corpus littéraires, parmi les textes littéraires, une grande partie ce sont, et là je fais des petites statistiques, les romans nouvelles, aussi bien contemporaines que plus anciennes, moyenâgeux, romantiques, 72%. 4 de ces corpus embrassaient les textes des opéras ou des comédies musicales, 4 des œuvres poétiques, les chansons y comprises, 2, donc 3% la littérature enfantine, 6 ont été constitués par les pièces théâtrales, et 3 les textes bibliques classés dans le corpus littéraire, au moins du point de vue du sujet traité. Donc là, ce sont les statistiques et parmi les phénomènes maintenant analysés à la base des corpus littéraires, nous pouvons citer les transferts des différentes figures des styles, pragmatiques, syntagmatiques, phonétiques, etc. Je les énumère, mais je pense que les choses sont grosso modo connues. Mais aussi le problème du comique, ou les néologismes. Mais il faut tout de suite dire que pour analyser le comique ou les néologismes, on peut avoir un autre groupe de corpus, par exemple cinématographique,
où on peut retrouver les comics, ou corpus de presse, par exemple, où on peut réfléchir sur les néologismes. Maintenant, nous pouvons parler aussi des formations justement néologiques dans le plus de production littéraire, langage de la presse, mais aussi une nouvelle terminologie. Alors, vous voyez, certains sujets s'analysent par le corpus différent. Et, les différents corpus peuvent ouvrir les voies, à la réflexion. Maintenant, en ce qui concerne, encore 10 ont été utilisés pour étudier les problèmes lexicaux et moraux. Et maintenant, des langues. Alors, dans ce corpus que je dirigeais, les deux langues ont été prises en compte, polonais et français, mais dans quelques-uns, il y avait encore l'espagnol, l'anglais ou l'allemand. Et maintenant, il y avait encore une recherche, corpus littéraire, traduction commentée, où les étudiants tout seuls ont fait leur traduction et ont fait des commentaires de difficultés. Et maintenant, de petites statistiques concernant le corpus non littéraire, ils sont très variés. Écrits, oraux, mixtes, intégrant des images, la traduction audiovisuelle, et aussi dans cette catégorie s'intègrent les corpus parallèles. Mais, donc là, vous avez les statistiques concernant ces corpus non littéraires. On a traité de tels problèmes qu'en langue de spécialité, texte audiovisuel, texte de presse, corpus médiaux à dominante sémiotique, corpus oraux, traduction automatique. Et donc, langue de spécialité 30%, et le domaine qui est le plus représenté, c'est le droit, après la médecine, et ensuite de économie, technique, musique, tourisme, église, torture, marin, pêche, chasse, militaire. Et très de ces travaux peuvent être classifiés en tant que les recherches typiquement terminologiques, et 7 envisagent aussi des aspects morphosyntaxiques. 20%, ce sont des textes de presse, évidemment avec les différents aussi sujets, 24 textes audiovisuels, parmi les textes audiovisuels, il ne faut pas oublier deux techniques spéciales, c'est-à-dire les techniques pour le malentendant et l'audio-description qui se développe maintenant de plus en plus. Et finalement, corpus médiaux à dominante sémiotique, là où les recherches se concentraient beaucoup plus sur l'image, les graphismes, les icônes, dimensions mimo-gestuelles, et ce type de réflexion constituait 12%. Et finalement, il ne faut pas oublier le corpus oraux, qui entre aussi dans cette catégorie non littéraire. Il y avait le corpus concernant les différents, par exemple, aspects de la langue parlée, comme les honorifiques, termes d'adresse, etc. Et relativement peu d'intérêts ont été manifestés par les étudiants en ce qui concerne la traduction automatique, donc seulement 4%. Je veux passer à la conclusion. Les jeunes chercheurs qui préparent leur maîtrise travaillent sur des corpus de plus en plus diversifiés et multimodaux. Ce corpus peut être livrette, numérique, multimédia, site internet, etc., plurilingue ou bien encore plurisémiotique, comme une collection d'objets ou d'œuvres d'art contextualisant les discours d'exposition artistique avec des enregistrements audiovisuels dans des espaces publics, etc. Alors, et là j'arrive vraiment à la conclusion, les disciplines concernées dépassent largement le cadre strict de la linguistique ou de la littérature. Il n'empêche que les étudiants en maîtrise doivent faire face à ces corpus hétérogènes et hybride. Et ça, c'est une tâche aussi bien pour le professeur qui dirige les étudiants que pour les étudiants eux-mêmes. La traductologie n'apporte pas toujours un cadre d'analyse adéquat. Nous affrontons alors la notion d'hybridité de corpus qui doit être entendue comme un ensemble de données en contexte.
Il en résulte, il faut que les directeurs de la thèse suggèrent tout d'abord les champs d'exploitation, donnent des outils pour analyser un corpus, de quel point de vue, comment le joindre à certains courants en linguistique ou en études littéraires. Alors, merci de votre attention.